Comme d'habitude, on est de retour dans l'émission Black Boss sur KMT Télévision et aussi en diffusion simultanée sur votre radio FM Plus 88.9. On a l'honneur et le plaisir de recevoir Maman, Mama Mika. Maman ou Mama Mika? Maman, alors je suis la maman. Je suis fière d'être la maman d'un jeune qui s'appelle Mikaël, surnommé Mika. Donc au lieu de chercher un nom d'artiste, c'est compliqué, je suis fière d'être sa maman. Donc c'est Maman Mika. Alors Maman Mika, déjà, comment ça va? Maman Mika, bien. Maman Mika, content. Content d'y oui, arriver, réussir et puis chli. Et puis l'amour, parce que mon idée de garçon, Mika, c'est le premier. Et j'ai un autre fils qui est en France, qui vit à Angoulême. Donc nous nous entendons bien. Et puis c'est mes béquilles, ce sont mes béquilles. Voilà. Alors, on va entrer dans le vif du sujet quand même, puisque ceux qui nous regardent, parce que bon, là on nous regarde partout, hein, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, à Haïti, partout, et on nous écoute aussi partout par rapport à FM+. Alors, Maman Mika, on va parler musique avec toi, mais d'où viens-tu? Qui es-tu? Et comment tu es arrivé dans ce domaine musical? Alors, Maman Mika, c'est Jean Péia, Jean à tête oisillée, qui naît entre les trois îlets, qui n'ont trois langues, qu'on a dit trois lunettes, et moi, né à dans trois de l'eau, qui veut dire que, quand grand-maman, c'était en ravine, plus bas, c'était la mer, et c'était près du golfe aux trois îlets, et il y avait aussi le marigot. Alors, ma grand-mère me disait souvent, on est dans trois de l'eau. Voilà, et puis, moi, déporté comme par fort de force. Pourquoi? Parce que, Mika, 51 ans, dans le temps, il n'y avait rien aux trois îlets. Et comme j'avais décidé de prendre mes responsabilités, pas déposer, parce que les médecins avaient dit qu'ils n'allaient ni marcher ni parler, et ils m'ont dit, je n'ai pas qu'à écouter chez moi à l'hôpital, et puis où je n'ai ni 22 ans, caché chez l'autre, puisqu'on fouet. Eh bien, j'ai dit non, je suis venu habiter à Fort-de-France, ça fait 45 ans que je suis sur Fort-de-France. Et bien sûr, Mika, qu'on connaît bien ici à la télé KMT, on oui, le connaît oui. quand même. Mika, c'est Jean Troupatou. Tout le monde connaît et je suis quand même fier de lui parce qu'on est en France et puis Mika est toujours sur Facebook et il est agréable, donc tout le monde l'appelle un peu partout et je suis quand même fier de lui, Mika. On salue Mika qui est avec nous aussi, hein, on ne le voit pas, mais qui est avec nous. Et on rappelle aussi qu'on est au Tiki's Beach, j'avais oublié de le signaler en début d'interview, nous sommes au Tiki's Beach à Chelcher. Tu connais ça ici? Non, pas du tout, mais merci parce que je vois que c'est un petit restaurant agréable, on reviendra par ici. Faut venir manger. Ah mais bien sûr, parce que nous sommes, nous pas mais nous on est sortis, parce que chez moi c'est une usine. On travaille beaucoup, Mika travaille beaucoup, mais des fois on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On nous chappe, nous allons manger, mais on reviendra par ici parce que ça nous plaît bien. Alors mais on n'a pas parlé musique, comment tu es arrivé dans ce domaine musical? Alors, je n'étais pas quelqu'un qui chantait, mais par rapport à un camarade, parce que j'étais à la côte au REP, et un camarade qui me disait, parce que tu as tes galères dans la tête, je représente la DAPI, et qui me disait, Maman Mika, je suis venu dans le dormir, parce que je suis senti que mon nerveuse et tout, parce que j'étais toujours sur le qui vive, hein, avant de dire, je suis et oui, c'est Pierre Drouy, je suis toujours remercié, monsieur, et il m'a emmené. Et j'ai découvert le damier, parce qu'il faut du coup trois îles dans ma famille, il y avait des gens qui faisaient déjà le damier, je n'avais pas encore pris goût. Et j'ai vu damier, quand je suis allée voir l'autre frère, j'ai vu qu'il y avait aussi le belet. Donc, moi, tombé dans le belet damier, et j'ai pris goût. Et puis, donc, quand j'ai eu mes galets, j'ai commencé à écrire, parce que j'écris beaucoup, et puis j'ai commencé à prendre de l'ambiance, quoi. Donc, ça m'a donné l'envie d'écrire, de chanter. Au lieu de plaire, chanter plutôt. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé là, à faire ce titre-là qu'on va découvrir bientôt là? Alors, c'est toute une histoire parce que quand on a un fils comme Mika, on cabèche. Donc, on regarde à droite et à gauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et j'étais partie en France et j'avais une amie qui avait des galères dans sa famille. Donc, tu dis, tu pars, tu laisses ta maison fermée. Bon, ben, ami, il n'y a pas de souci, je te laisse dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Problème, non, etc. Et finalement, quand je revenais après 3 ans, on m'a dévalisé. Alors, au lieu de partir pour dire, bon, ben, elle m'a rendu service, etc. Non, ben, tout simplement, il est en France, etc. Il n'a pas besoin de rien, on m'a dévalisé. Alors, au lieu de pleurer, j'ai commencé à écrire. Et ça fait quand même déjà 10 ou 12 ans, hein, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup chanté.
Je me levais la nuit pour chanter parce que je sentais que des fois que ou quand je cherche un bâton, un machin, ou quand je suis une aigle, mais non, ne fais pas ça. Parce que j'ai fait beaucoup de thérapie, parce que quand on est jeune comme Mika, c'est une souffrance. Mais pour moi, c'est une... comment dirais-je encore? C'est une thérapie et que je fais en même temps. Et c'est un travail à vie que j'ai. Un contrat à vie que je ne vais... Et puis on s'entend bien. Mais nous, on a fait la jet, hein? Parce que de temps en temps, là, différent après les Mika. Et puis après, nous, on a fait Belbo parce que j'ai appris à fonctionner avec lui. Comme tu dis, c'est un travail de toute une vie aussi. Et on pense d'ailleurs à toutes les familles qui ont aussi des enfants handicapés avec des maladies comme la microcéphalie, tout ça. Ou comme tu le dis, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut, on peut pratiquement jamais laisser l'enfant seul. Jamais. Voilà. Jamais. Et j'ai toujours accompagné Mika. Alors Mika, depuis jeune, il s'est orienté vers l'informatique. Et Mika ne trouvait pas de travail parce que ici, c'est compliqué quand tu as un enfant handicapé. Tu es porteur d'un handicap, tout le monde perd. Alors Mika a pris l'informatique et j'ai créé un poste dans mon, parce que j'ai travaillé plutôt à mon compte comme jusqu'à maintenant, dans mon entreprise. Mika, c'était mon secrétaire, accompagné de la NPE, etc. Et après, quand Mika confondait maman et entreprise, j'ai dit, oh frère, là je vais te foutre dehors parce que c'est comme ça, je suis assez carré. Et j'ai vu une autre entreprise au Lamantin, c'était avec Henri Pignat. Je suis allé le voir avant pour lui dire bonjour, c'est avec Mika parce que Mika confond tout. Et puis Mika a fait un WhatsApp lui pendant qu'il travaille. Donc ce qui fait qu'Henri Pignat l'a récupéré. Il a fait de la musique avec Henri Pignat et après, bon, on est reparti en France. Alors, on passait notre temps à faire le va-et-vient, je cabichais, ah, il y a tel centre, tel endroit, etc. Mais je ne voulais jamais le laisser dans un centre, mais l'accompagner comme on a fait. Voilà. En tout cas, vous êtes sur FM Plus et sur KMT. On va quand même entendre la voix de Mika, même si on ne le voit pas. Viens, viens nous d'un petit mot quand même. On va entendre ta voix. Comment ça va, Mika? Ben, ça va très bien, si. Tu es fier de ta maman, là, hein? Tu vois comment elle se bat, là? Ah oui, mais franchement, elle se bat pour moi. Elle n'est pas trop méchante, ça va? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses de la chanson qu'elle a faite là? C'est une bonne chose. Hein? Et moi personnellement, ça me rappelle beaucoup de choses en écoutant la musique. Et je la remercie énormément. On va essayer de montrer la photo de Mika alors, dans le montage, sauf si Mika veut... Hein, on peut montrer Mika ou bien non? Ah ben Mika, viens juste voilà, viens t'asseoir, il n'y a pas de problème, on est là quand même en famille, en plus nous connaître Mika KMT quand même, il a travaillé à KMT. Voilà le fameux Mika. Alors pour ceux qui écoutent à la radio, vous n'allez pas pouvoir le voir sauf sur les réseaux sociaux, mais ben, tranquille. Oui, ça va, oui, très bien, si, oui. Alors la chanson s'appelle comment? Alors la chanson s'appelle Si c'est moi. Alors en français, alors, attention hein, pour ouais. Oui, pour ne pas confondre, en français, on dit « si c'était moi ». Alors, quand j'ai perdu mes affaires, je suis arrivée en Martinique. Et comme chez nous, c'est comme l'assistance sociale. Dès qu'il y a un problème, on va voir maman Mika. Alors, j'appelle pour lui dire « oui, mais je ne peux pas vous voir là parce que c'est une médrasie en même temps que je fais. Parce que là, j'ai perdu. Ah, tu as perdu tes affaires, comment tu as fait ?» J'ai dit « oui, mais j'ai perdu mes affaires parce que bon, ben, ça devait y arriver et tout. » Alors, la personne qui me dit « si c'est moi, ça n'a pas qu'arriver moi. » Et je n'entendais que ça, si c'est moi, mon pâté caille, pâté caille, moi, si c'est moi, parce que c'est toujours l'autre qui a tort. Et là, je me suis dit, bon, je vais mettre mes baskets et puis moi, je fais ménage, caille, mon cou, tout partout, puisque bon, ben, tu as besoin de. Mais j'ai noté à chaque fois, si c'est moi, si c'est moi. Et quand j'ai. Et puis un camarade me dit, hey, fais un morceau, et puis ça, morceau, tu as la caille belle, fais un morceau. Et puis voilà, je suis allé voir voilà, les studios, etc. Et puis on a fait. Avec qui tu as travaillé? Alors, j'ai travaillé avec Géris Spartacus, mais merci un peu moins. Il est du Lamantin. Oui. Vous qui connaissez musique traditionnelle, qui connaissez qui a fait toute qualité musique. J'ai mis en musique derrière ça, là, et puis diffé. Et jusqu'à maintenant, tout le monde aime. Et puis, j'ai fait mon clip avec, comment il s'appelle, Mika, Gina Jean-Baptiste. Timicier, c'est vraiment bien. Et puis, je tire mon chapeau à ce jeune homme-là. Tu es prête pour les prochains mois, les prochaines semaines à venir, pendant ces vacances même aussi, à faire un petit peu de promotion, peut-être te produire peut-être aussi sur les scènes, ce serait bien. Ah oui, mais je suis prête parce que là, partout, parce qu'il y a Diamant qui m'a appelé et je viens d'avoir la dingue, qui m'a dit oui, mais il faudra que tu fasses passer ton morceau, etc. Et puis, vous avez dépensé tout un amour parce qu'il faut dire que
les gens savent déjà que tu ne peux jamais dire je vais récupérer ce que j'ai dépensé. Mais moi, je le fais par amour, puis c'est une thérapie pour moi. On est à la Dominique là, j'ai chanté, etc. Donc pour moi, c'est un plaisir. Après, on va partir sur la Guadeloupe, nous n'y famille Cuba. Ouais, bah, tu as déjà une tournée alors? Ah oui, oui, je vais faire ma tournée. Et puis pour la course de Yol, là, il faut manquer lâcher comment la course de Yol pour si c'est moi, puis c'est moi. Et puis, il y a qu'à prendre les conyolés. Et tout ça, bon, à part manger à vie, parce que c'est encore bon. Bref. Alors, je suis un peu enroué parce que bon, ben, je bouge beaucoup, je fais plein de choses à la fois. Mais voilà. Ok, on est au Tiki's Beach. Pour ceux qui nous écoutent sur la radio FM+, la fréquence est 88.9. Et bien sûr, sur la chaîne KMT Télévision, dans l'émission Black Boss. Ben, ce qu'on va faire, c'est pratiquement déjà fini. Tu veux rajouter quelque chose, Mika? Oui, j'ai fait un petit coucou à ma marraine. Vous, parce que comme elle a participé au clip, bon, et c'est des amis qui sont venus nous donner un coup de main. D'accord. Rajouter un petit mot aussi, maman Mika. Ah oui, moi je dis que moi je remercie tous ceux et celles qui m'ont supporté, et même ceux qui n'ont pas voulu me supporter, mais c'est l'amour qui l'a fait. Pour changer d'avis. Non, c'est l'amour, il ne faudra pas se fâcher. Et puis, moi je dis, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de galères, mais c'est, pour moi c'est, ça a été de l'engrais. Et moi, j'aime tout le monde. Et c'est l'amour que nous avons dans notre cœur qui nous fait avancer. Et bien sûr, tu vas continuer ta petite promo sous les radios, ah, oui, qui, les radios qui voudront bien te recevoir en interview, les télés aussi, tout ça, il faut continuer. Ah, tu vas faire la promo. Ah oui, parce que bon, ben, on passe en permanence sur Zouk TV, Merci en Pile Mamaï, sur KMT. On a plein de radios. Plein de radios qui font pas ça. Le travail comment? Ah, le travail commence et puis on est derrière et puis on ne lâche rien. Parce qu'on a un autre morceau qu'on prépare aussi. Donc, c'est nous, on laisse ça, quoi. On va l'entendre sur FM+ aussi, la radio, 81.9. Merci, merci encore, et puis Black Boss, c'est ça, Black c'est Boss. Ça, tu vois, tu as retenu. Ah tu as retenu. Même si moi, comment c'est pas animé. Moi, merci un peu Black Boss, et puis d'avoir honoré aussi la demande de mon fils, parce que le plus souvent, c'est lui qui me dit, ah tiens, maman, j'ai pris rendez-vous par-ci, par-là, et puis donc, et puis merci Mika, et merci maman. Et puis voilà. Ok, puis un coucou à Nico, qui est notre fils qui est là-bas, et tout, et puis toute la famille, quoi, toute Martinique, tout partout. Merci un pile. On va écouter la chanson sur la radio, on va regarder le clip sur KMT dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Si c'est moi. Oui, si c'est moi. Voilà. Alors au début, c'était si c'est moi. Et les camarades, après, c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui me disaient, mais maman Mika, qui m'en y a offert? Parce que moi, sans Mathilde, pas m'en fait. Maman, j'ai tombé mon doubout là même. Qui m'en y a offert pour vivre doubout là? Alors moi, là, à présent, c'est eux qui a dit, si c'est moi, alors on a dit, si c'est moi, moi pas qu'aille dire ça, si c'est moi, moi pas qu'aille faire ça, si c'est moi, moi pas qu'aille faire ça, moi pas qu'aille faire ça comme ça. Alors tout le monde rigole parce qu'au début, c'est eux autres qui t'ont dit, mais si c'est moi, après, c'est eux autres qui ont fait. Tu comprends? Voilà. Eh ben, à bientôt, Mika, et à bientôt, maman Mika. Merci. Et merci encore, le Tiki's Beach, de nous recevoir. Lorsque nous. Ah, il faut revenir. Oui, je revenais. Peut-être que je vais manger là ce midi parce que nous, les gonzibiers, là, on va manger ce midi là. Ou ce soir. Non, ce soir, je suis déjà occupée. Le soir, si tu peux venir aussi, le soir. Hein, même. Je peux venir parce que nous, c'est. Alors, j'ai des amis qui m'appellent Kalaria. Alors, j'ai deux noms, maman Mika et Kalaria. Pourquoi Kalaria? Parce que moi, c'est Jean Laria. Quand on nous voit, bon, ben, on a toujours rendez-vous par là. Nous, qu'à chanter, nous, qu'à faire belé. Je fais du slam aussi. Donc, on fait plein de choses. Quoi. Voilà. À la prochaine, et on regarde et on écoute aussi cette chanson, Si c'est moi, de maman Mika. Merci encore, Mika. Merci. À la prochaine.